Salut à tous, c'est Red Pearly Test. Je vais vous parler aujourd'hui d'un nouveau test produit que j'ai reçu il y a environ 4 mois, donc juste avant mon déménagement. Et en fait, ce produit, c'est Hydragenius de L'Oréal, l'Aloe Water. Donc c'est un soin liquide qui est, comme vous pouvez voir, déjà bien utilisé, puisque ça fait 4 mois que je l'utilise. Donc c'est un soin liquide, donc la texture pour moi est juste parfaite, parce que, je vais vous montrer, lorsque vous mettez une pression, déjà c'est assez pour tout le visage, vous mettez une seule pression, et vous allez voir, c'est nickel. Vous avez juste une sensation de... C'est humide, mais c'est pas comme la crème, ça reste... Voilà, vous en voyez déjà plus du tout la place. La texture est juste top. J'adore cette texture parce qu'en fait, elle reste pas... on startine pas la tête d'un truc qui colle, qui reste en surface pendant je ne sais combien de temps. Là, c'est juste superbe. Donc, moi, sérieusement, ce produit-là, je l'utilise tous les jours. Je l'utilise tous les jours... matin et soir, enfin tous les jours quand j'y pense bien sûr, parce que bon, il y a des jours où j'oublie. Par contre, chose qui m'a étonnée, mon compagnon qui n'aime pas du tout les crèmes, en tout cas les textures de crème, en fait il me la pique, entre deux. Donc c'est ce qui prouve vraiment que ça convient à tout le monde. Il adore la texture aussi, il aime pas non plus être tartiné de crème qui ne sèche pas, et c'est pour ça qu'il adore mettre cette crème-ci. Donc moi c'est le soin liquide peau normale à mixte, donc je pense qu'il n'y a que celle-là qui existe, je pense. Donc oui, c'est bien marqué. Appliquer ce soin hydratant quotidiennement, matin et soir. Faire pénétrer par massage circulaire sur l'ensemble du visage et le cou. Une seule pression suffit. Alors ça, c'est bien vrai. Une seule pression. Hein, parce que si vous en mettez deux, là par contre, il va vraiment falloir faire plus longtemps. Il va falloir masser beaucoup plus longtemps pour que le liquide se pénètre dans la peau. Une pression, c'est vraiment suffisant pour faire tout le visage. Et moi j'en suis super satisfaite. Il hydrate ma peau comme il faut. J'ai la peau mixte, donc ça me convient très bien. J'ai aucun souci pour ça. En plus, j'ai une peau qui, en règle générale, a tendance à faire quelques réactions allergiques. Là, j'en ai fait aucune. Sérieusement, moi, je trouve ce produit top. Je pense même que par la suite, j'en rachèterai peut-être parce que je le trouve génial. Donc là c'était un 70 ml. J'essayerai peut-être de regarder sur internet, vous écrire le prix du produit. Oui, j'en suis vraiment très satisfaite de ce produit ici. Elle hydrate vraiment bien la peau. Et comme je vous dis, ne pas se sentir tartiner de crème tout le long, c'est génial. Donc voilà. Donc je vous ferai certainement d'autres vidéos pour des tests, parce que j'ai déjà fait quelques tests et j'en ai jamais fait de vidéo, et je me suis dit que ça pouvait être cool de faire des vidéos pour que les gens voient vraiment que
que je teste le produit réellement. Là, vous pouvez le voir, j'ai pas fait semblant. En même temps, en 4 mois, c'était fort, fort probable. Avec le déménagement, tout ça, c'était pas possible avant. Donc, voilà, je pense faire plusieurs vidéos. Des produits que j'ai déjà eu et que j'ai déjà testé. Et les futurs produits que je testerai aussi. Merci d'avoir visionné la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit j'aime si vous voulez continuer à nous regarder par la suite. À bientôt !